à Berlin, au son d'une femme imam. Des fidèles prient à la mosquée Ibn Rushd. Ici, hommes et femmes, voilés ou non, peuvent prier ensemble sans aucun problème. Une image qui peut paraître banale aux yeux des non-musulmans, mais une image encore très rare dans le monde islamique. Parmi ces fidèles, un imam français homosexuel. Je m'appelle Ludovic Mohamed Zahed, j'ai 45 ans. J'ai grandi à Alger principalement. En Algérie, j'avais étudié donc, pendant 5 ans pour devenir imam à la madrasa. À l'époque, on avait la télévision par satellite française et donc je voyais des émissions, il y avait des gens qui témoignaient de leur homosexualité. C'était la première fois que j'entendais parler d'homosexualité. Donc ça m'a en partie rassuré parce que je me suis dit, tiens, je suis pas tout seul. Et en même temps, ça m'a stressé parce que je me suis dit quand même, ça n'est jamais nommé dans ma culture, enfin dans ma famille, mais ça a toujours été condamné. En 1995, fuyant la guerre civile, Ludovic Mohamed Zahed et sa famille émigrent en France. Ça te dit ? Oui. Quand je suis venu à Marseille, ça a été compliqué pendant 2 ans, ou après 7 ans que de spiritualité et ensuite d'études islamiques, je ne parlais pas et je ne pensais pas, j'essayais surtout de ne pas penser à ma sexualité. Donc concilier les deux, ça s'est avéré impossible à l'époque parce que je n'avais qu'une représentation très homophobe de l'islam en fait. Et c'est un peu à l'âge de 30 ans, je me suis dit tiens, j'ai perdu quelque chose que j'avais à l'adolescence, ce côté très émerveillé du monde, très passionné par la vie, par la connaissance, par les autres. C'est comme ça que je suis revenu vers la spiritualité, par le biais du bouddhisme, la méditation. Ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui encore. Et ensuite par le christianisme, en faisant partie d'une association qui nous accueillait à l'époque en tant qu'homosexuels musulmans, jusqu'à ce qu'ils nous aient aidés en 2010 à fonder notre propre association d'homosexuels musulmans de France, HM2F. L'idée, c'était de déconstruire les préjugés, les tensions, les idéologies fascisantes depuis l'intérieur de l'islam. Nous réapproprier cette tradition, ces textes, les redécouvrir finalement. Moi, j'ai découvert des traditions qui nous parlaient d'hommes efféminés, de femmes masculines, donc en arabe, mustarjila, mukhannath, donc qui pourraient être traduits par homosexuel ou personne trans, qui auraient été accueillis, alors j'en sais rien, j'étais pas là il y a 14 siècles, mais c'est dans la tradition la plus authentique de nos textes islamiques. Ces gens-là étaient accueillis chez le prophète, paix et bénédiction sur lui, il les protégeait, il leur donnait du travail. Ça, je l'ai découvert à ma trentaine, quoi. Quand j'ai relu tous ces textes et que j'ai essayé de chercher par moi-même des réponses dans nos traditions pour voir si vraiment l'islam était homophobe, misogyne, antisémite et fascisant, ou est-ce que c'est vraiment islam, donc une religion de paix. Dans sa quête de retour aux sources, ces 20 dernières années, Ludovic Mohamed Zahed est allé 5 fois en pèlerinage à la Mecque. En 2012, il filme même son voyage. Derrière sa démarche personnelle, il y a aussi cette fois une action militante. Le fait d'y aller avec ce groupe de musulmans progressistes, inclusifs, en 2012, je crois, d'être visible là-bas, dans le plus saint des lieux de l'islam, pour affirmer nos identités, même si on ne l'a pas crié sur les toits, mais ce n'était pas le but non plus, bah, après on l'a fait sur YouTube, c'était pas juste symbolique, c'était vraiment très important pour nous de le faire et de dire que bah, finalement on est là. Et qu'il faut être habitué au fait que maintenant on est visible et qu'on prendra de plus en plus part, ce qui est le cas aujourd'hui, au débat en ce qui concerne la place de l'islam dans nos sociétés. On n'était pas là pour organiser des gay pride ou mettre des pancartes féministes sur la Kaaba. Non, ce n'était pas le but. Je pense que j'y retournerai pas, surtout avec tout ce que j'ai dit depuis. Mais en même temps...
le fait de connaître l'islam théoriquement et de l'avoir vu évoluer ces dernières décennies de manière très concrète sur le terrain, moi, ça me rassure sur le fait que ce qu'ils nous vendent, entre guillemets, c'est pas l'islam. Le fait d'être tous pareils, habillés de la même façon, en noir ou en blanc, il suffit de regarder les peintures classiques, la poésie, la littérature du monde dit arabo-berbéro-musulman depuis des siècles, c'était pas uniforme, c'était pas en monochrome. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Droits des femmes, tolérance envers les homosexuels, ouverture aux autres religions, cette vision d'un islam revisité, Ludovic Mohamed Zahed ne fait pas que la prêcher, il l'enseigne aussi. Chaque année, il forme une demi-douzaine d'imams progressistes, hommes et femmes, venus du monde entier. So we have tools within Islam. We need to understand what kind of tools could be used without the entire edifice collapsing. So la formation dure 2 ans. Donc le premier niveau, c'est surtout les bases de l'islam, en fait, revoir les piliers de l'islam, les piliers de la foi, la tradition du prophète, la tradition des autres religions. L'idée, c'est de déconstruire tous les dogmes, d'en faire vraiment une spiritualité émancipatrice pour tout le monde et de leur dire, voilà les outils qu'on a mis en place, il faut les faire évoluer, réfléchissons ensemble. Et à chaque année, en fait, ça évolue et on s'adapte. On s'adapte aussi au profil, à l'origine géographique des gens. Certains viennent du Mexique, suivant en ligne nos cours, d'autres sont d'Indonésie, d'autres sont d'Afrique du Nord. Forcément, ça ne sera pas la même couleur de la formation chaque année avec des étudiants qui seraient que de France ou d'Europe francophone. Sometimes I'm getting nervous when people come to me and asking me what should I do here and there. And then I give some answers, not tools to find their own answers, and they like insisting, no, but you're not answering. Like, but you have to decide for yourself. You're lazy here, because you're just like a fast food fatwa. This is too easy. You have to decide by yourself. Nos moyens sont limités, voilà, on n'est pas l'Arabie Saoudite qui a des millions de pétrodollars à mettre dans la formation de leurs imams et ensuite dispenser leur savoir wahhabite à travers, pendant des générations à travers le monde, avec des Corans traduits dans toutes les langues. Ah, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place. Mais si on y réfléchit, il faudrait qu'on ait des moyens équivalents. Parce que cette espèce de cancer fascisant, patriarcal, qui abreuve notre jeunesse depuis des générations des deux côtés de la Méditerranée, il va bien falloir y répondre. Et juste avec des bonnes intentions et des vieux pieux, ça ne marchera pas. Pour gagner en influence, Ludovic Mohamed, depuis plusieurs années, s'expose médiatiquement avec les risques que cela implique. عند حضرتك في الاستوديو قال يقول الله تعالى الحلال بين والحرام بين فهو لا يستطيع أن يفرق بين الحديث والقرآن فأنا يعني لا أدري كيف يصلي بالناس إماما أولا وهو لا يستطيع أن يفرق بين القرآن والحديث ولا يعرف كلام الله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الأمر في الأحاديث في البخاري ومسلم إلى آخره توجد أحاديث على المخنثون المتذكرات المسترجلات ما رأيك في المخنثون الذي استقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام في 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 بيته أمام نسائه وأبنائه؟ ما هو تفضل تفضل الشيخ أحمد تفضل. Le débat sur deux cheveux en arabe, donc shabab talk, discussion entre jeunes, c'était très important parce qu'il y a une quinzaine d'années, quand on avait fondé la première mosquée inclusive d'Europe à Paris, enfin tout ça, il y avait eu une fatwa d'un des membres d'Al-Azhar qui disait « c'est pas vraiment des musulmans, il faut pas prier dans leur mosquée, derrière eux, votre prière sera pas acceptée », comme si c'était lui qui était au paradis à faire distribuer les tickets, quoi. Donc c'était très dur de recevoir voilà, ces fatwas qui disaient qu'on finalement, on n'était pas des musulmans, quoi. Et dans certains pays, on aurait pu être condamné à mort. Mais c'était très important de voir que 10-15 ans plus tard, ben, les mêmes, ou en tout cas des gens des mêmes institutions, avaient accepté de dialoguer avec nous. Donc c'est un début, c'est loin d'être parfait, mais en tout cas on existait. C'est tout à fait possible de s'engager sur ces terrains-là sans être en danger, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc ça, ça m'a surpris moi-même. C'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre de recevoir des messages de gens qui disent que vous devriez ne pas exister alors qu'ils ne vous connaissent même pas, simplement parce que vous vous affirmez. Ça questionne beaucoup, mais les 2-3 premiers jours après ces premiers messages reçus,
j'y ai plus vraiment pensé. On reste prudent, mais voilà, il ne s'est jamais rien passé de dramatique. Comme pour forcer le destin, Ludovic Mohamed Zahed continue sa quête à travers la France pour prêcher l'ouverture. Une démarche pas forcément toujours bien perçue. Au départ, l'office devait être à Metz, mais on a trouvé une paroisse inclusive à 10 minutes de Metz, du centre-ville. Donc ça, c'est très bien, parce que parfois, les gens ne sont pas toujours prêts ou organisés ou ouverts à la question de l'interreligieux, de l'interreligieux LGBT en plus. Donc il faut y aller doucement, on est là pour essayer de faire du bien et puis de déconstruire les préjugés, pas pour rajouter des tensions dans les communautés. Donc tout doit se faire en temps et en heure, et puis avant l'heure, c'est pas l'heure. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette petite église. Dans le petit temple d'Agon d'Ange, l'imam marseillais va participer ce dimanche à un office œcuménique et inclusif. Avec lui, une pasteure féministe engagée, le représentant des juifs gays de Paris et un aumônier catholique homosexuel, le tout sous la houlette du pasteur de la paroisse. Et pour chanter aussi, tu les connais les cantiques? Ah non, mais je... Parfois je fais les paroles, mais pas toujours. Pour moi, le dialogue interreligieux, ce n'est pas juste pour faire joli, ça m'apprend beaucoup de choses, comme ce week-end là à Metz, alors actuellement. Pour moi, c'est très, très important. En général, c'est très belle cérémonie, la liturgie est multifacette, en fait. Chacun apporte une partie de sa tradition, la met en commun. C'est vraiment le symbole du fait que Dieu est unique et le divin, quelle que soit la représentation ou le nom qu'on donne au divin, il est le même pour tous. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu que le divin, l'universel, sans associé, et que Mahomet est l'un de ses serviteurs et l'un de ses messagers. J'aimerais remercier l'association Couleur Gay et tous ceux et celles et autres qui ont participé à l'organisation de cette rencontre, haute en couleur. Une rencontre pétrie de diversité, d'inclusivité et d'empathie. Dieu est le plus savant. Wallahu a'lam. Amen. Merci à l'imam Ludovic Mohamed Zahed pour cette louange. Et je nous invite à nous lever et à chanter ensemble notre premier cantique. Nos cœurs te chantent. C'est pas juste un symbole ou des discours, c'est vraiment politique au sens noble du terme, au sens de on vit ensemble, on prie ensemble, on discute ensemble, on partage le pain ensemble après ces cérémonies-là. Donc c'est vraiment la réalisation dans notre quotidien d'un idéal dont on a rêvé parfois pendant des décennies. Amen. Frère, tu comptes pour moi. Amen. Merci pour ces belles envois sur la route du Seigneur encore. On va continuer. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ça ne fait que commencer, j'ai l'impression. On est bien lancé, hein. Le culte aujourd'hui? Oui. Oh, moi, je suis d'accord. Moi, alors là, moi, ça ne me dérange pas du tout. Chacun a le droit de mener sa vie comme il l'entend, comme il le veut, comme il le souhaite. L'essentiel, c'est qu'il soit heureux. Très enrichissant. Vraiment, c'est quelque chose qui remet du bon au cœur. C'est ce qui me plaît, c'est comme ça que je vois le monde, quoi. Si on pouvait tous vivre ensemble, c'est pourtant pas compliqué, la preuve. Au-delà du dialogue interreligieux qui l'amène à parcourir la France,
Ludovic Mohamed Zahed travaille au quotidien à Marseille. Il y a une dizaine d'années, l'imam a créé ici un endroit unique, à l'abri des regards. L'Institut Kalem, un deux pièces étroit et petit extérieur au cœur de la ville, pour tous ceux qui veulent prier, étudier, se former ou tout simplement partager leurs expériences de vie. Bienvenue à l'Institut Kalem. Là, ce déjeuner, c'est surtout pour déjà vous accueillir. C'est une des activités conviviales qu'on organise. Comme on l'a dit tout à l'heure, je vous ai fait passer donc les programmes du Festival de Marseille et de la Pride Marseille avec lesquels on travaille durant cette semaine d'activités, etc. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, servez-vous à boire et à manger. Faites comme chez vous. Le fait qu'il y ait des gens de tous horizons, avec des identités très diverses, qui se rencontrent ici, qui échangent de tout, sans tabou, sans préjugés, sans jugement, ça fait partie des règles du partage, comme on les appelle à l'Institut. Nous, on met à la disposition de notre communauté cet espace, mais ensuite, c'est les gens qui en font quelque chose de très, très intéressant. Et ça surprend pas mal de gens qui nous disent « Ah, mais c'est véritablement inclusif ». Le poids de la famille, c'est lourd. Hein. Franchement, de savoir que ta famille te pose toujours des questions, genre, t'as 27 ans, mon fils. Nous, au bled, on va dire quoi? Quand j'étais jeune, moi, ma mère, elle m'a dit, je vais dire au bled que tu t'es fait renverser. Et ça, c'est vexant. Ouais, genre, j'étais renversé, je suis mort, là, c'est fini. Préférer dire ça plutôt que de dire que tu ils ont mélangé les trois et j'étais très croyante et très pratiquante. Ouais. Et quand j'ai appelé ma mère et lui dit « Maman, viol, je fais quoi ?» Elle m'a dit bah, « C'est ton mari dans la religion, il a le droit, sauf qu'il n'a pas le droit. » Hadjar a 27 ans. Elle vit en France depuis l'âge de 10 ans. Musulmane, elle a beaucoup lutté pour s'affirmer en tant que femme libre au sein d'une famille très conservatrice. Ce combat-là, c'est pas qu'on se sent obligé de s'y impliquer, c'est qu'il s'impose à nous. Donc on n'a pas vraiment le choix. Il nous s'impose à nous parce qu'on a envie de changer les choses pour les générations à venir. Ah, j'ai pas envie de leur laisser un monde sans compréhension, sans respect mutuel, qui sont quand même la base de notre humanité, la base de toute spiritualité confondue. Et c'est pour Dieu que je fais ça. C'est parce que je le dis haut et fort et j'adore ça, mais c'est pour Allah. C'est... Voilà. Iqra, apprends. C'est le premier mot du Coran. Si tu n'apprends pas, tu ne sauras jamais. Et donc, si tu n'essayes pas de côtoyer des gens différents dans plusieurs milieux, bah, tout est haram, forcément. Donc oui, il faut aller rencontrer des gens comme Ludovic. Oui, il faut venir faire des choses comme ça. Oui, il faut ouvrir la parole dans les écoles, dans les établissements, dans toutes choses, pour justement essayer de faire comprendre aux gens qu'il n'y a rien de mal à tout ça. La première fois que j'ai parlé de Ludovic à mes parents et puis surtout à mon frère, il m'a dit « Non, c'est pas possible, ça peut pas exister. » Voilà, donc ça n'existe pas. Et la réponse était que moi, je suis sur un mauvais chemin et je suis forcément sur le chemin des enfers. C'était ça, la réponse. On en a marre d'avoir des problèmes sur notre sexualité, notre façon de penser, alors qu'on fait de mal à personne. C'est ça, le truc. C'est qu'on fait de mal à personne, ce qui se passe dans nos... lit dans nos chambres, reste dans nos lits et dans nos chambres. Ça vous regarde pas. Hello tout le monde. On vous propose donc d'aller au Courtauld-Velten pour rejoindre les artistes qui vous ont préparé un beau spectacle de danse là, sur lequel ils travaillent. Je vous conseille vivement d'y aller. Donc, vous avez un bus dans 11 minutes. Coco-Velten, donc, est un centre social d'accueil avec aussi des activités artistiques pour assister à une performance de danse qui a été faite depuis plusieurs semaines, préparée par les migrants LGBT de Marseille. Et ce sera un espèce d'avant-goût de leur performance de danse pendant la Marche des Fiertés le 3 juillet ici. La communauté des migrants LGBT, Ludovic Mohamed la connaît bien. Depuis de nombreuses années, l'imam les aide régulièrement.
il en héberge même certains temporairement quand ils arrivent à Marseille. Parmi ceux qu'il a soutenus, Moussa, malien réfugié de 32 ans. Étant homosexuel musulman, dans les pays comme les pays de l'Afrique, c'est pas facile à vivre. Donc du coup, il y a tout qui condamne là-bas. Il y a tout, la société, la tradition, la culture, la religion et surtout la famille, tout. Donc moi, je suis parti parce que j'aimerais vivre librement. J'aimerais vivre ma vie et sans avoir de persécution, sans avoir de menaces, sans être tabassé, sans être condamné à mort ou condamné dans les prisons. C'est en partant que je me suis rendu compte que je suis un être humain. Voilà. Sinon, quand j'étais là-bas, je ne pensais même pas. La manière dont j'étais traité, la manière dont il y avait la violence verbale, la violence physique de la famille, de la population et de la, de la justice. Moi, je pensais que c'est même des animaux, on ne peut pas être violent comme ça. Grâce à Ludovic Mohamed, grâce à ses ateliers où il a pu reprendre confiance en lui, Moussa assume aujourd'hui pleinement son homosexualité. C'est juste un slogan, donc du coup, ça me fait pas mal quand on me dit un PD migrant. Si tu m'insultes, je te réponds pas de la même manière, de la même violence, mais je te réponds en souriant. Ce que tu me dis, les mots que tu me dis, je te réponds que oui, bah, je suis PD migrant, j'en suis fier. Donc je te montre aussi que j'en suis fier. Une semaine plus tard, c'est la grande marche des fiertés, la Gay Pride. Chaque année, Ludovic Mohamed y participe. Il fait même partie des organisateurs et coordonne le défilé avec d'autres associations LGBT. Ah oui, c'est vrai. Alors juste pour dire qu'ils nous ont dit qu'il fallait qu'on reste là-bas. Et après, avec le camion, on va s'introduire entre Ed et vous pour respecter l'ordre de marche, machin. Si vous passez avant, après, c'est pas dramatique. Mais c'est mieux si on passe avant parce que ça nous aide vu que vous avez le petit camion là, ouais. C'est beaucoup de travail d'organiser, de réunir toutes les associations qui sont autour de cette camionnette. C'est beaucoup de travail, 4 mois de travail. Oui, c'est la star là. Trop belle. Très différente de ses activités religieuses et spirituelles du reste de l'année, cette journée n'en est pas moins très importante pour l'imam progressiste. Je pense que ça peut faire peur à des gens en Occident, et peut-être encore plus dans des sociétés qui sont en crise, comme les sociétés orientales, arabes, dites arabes. Mais c'est bien. C'est des gens qui s'expriment, nous on les encourage à le faire et je suis très content de pouvoir participer à ce genre d'expression en fait de leurs identités en pleine liberté, sans avoir à choisir entre leur homosexualité, leur africanité, leur islam. En attendant la prochaine Gay Pride, Ludovic Mohamed Zahed va reprendre son bâton de pèlerin pour lutter contre toutes les discriminations, l'intolérance et les préjugés au sein de l'islam et en dehors. Aujourd'hui encore, un sacerdoce.